la maternelle des gens. Bonjour, bonjour à tous et à toutes pour ce Forexpresso. Plusieurs choses. D'abord, le dollar qui a fêté, si j'ai envie de dire, la nomination ou la reconduction de Jérôme Powell en tant que membre de la Fed. Vous savez qu'il y avait, ou pas d'ailleurs, qu'il y avait une autre candidate qui va être d'ailleurs vice-présidente de la Fed, qui était en concurrence avec Jérôme Powell. Jérôme Powell qui était un petit peu en balance après le scandale, entre guillemets, de l'affaire des trading de certains membres de la Fed. Je ne reviens pas sur cette affaire. Donc, Jérôme Powell est reconduit, étant donné qu'il a une position un petit peu plus hawkish que l'autre candidate qui était en lice, le dollar a fêté ça et a poursuivi son ascension. J'en profite pour vous dire que cet après-midi, donc, je serai sur Investir Day. Donc ceux qui veulent me rencontrer, c'est avec plaisir. Et que demain, je fais un webinaire éducatif chez IG que vous pourrez retrouver dans les prochains jours certainement sur Daily FX YouTube. Mais demain à 18h30, je crois, oui, c'est ça. Donc, vous pouvez vous inscrire sur l'Alligator de Bill Williams. C'est un système de trading qui a été défini par un trader sur les commodities. C'est très souvent le cas, d'ailleurs. Tous les systèmes de trading viennent souvent du marché des matières premières. Donc, Bill Williams, l'Alligator de Bill Williams, que je vous présenterai demain. L'avant-dernière fois, j'avais fait un webinaire que vous pouvez trouver aussi sur Daily FX YouTube sur les vagues de Raggy Horner, et un des gagnants du concours de trading de IG a utilisé, alors c'est pas le premier, c'est le deuxième, je crois, ou le troisième, a utilisé cette méthode de trading. Donc ça me fait très plaisir. Au moins ça a servi à quelque chose, et la personne m'a avoué qu'elle tradait maintenant qu'avec cet indicateur. C'est super. Donc demain, un autre. L'alligator de Bill Williams. Voilà, la parenthèse est fermée, on revient au dollar, on regarde l'avertissement sur les risques et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc à l'écran, la poussée, la flambée, je ne sais plus comment on peut l'appeler, de l'indice dollar qui a, depuis le franchissement de cette résistance à 94,50, une accélération assez unilatérale qui est au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc plutôt difficile d'aller à l'encontre de cette poussée du billet vert, et difficile de vendre le billet vert dans ces conditions. Il faudra qu'on ait de solides arguments pour le faire. On va voir tout de suite l'eurodoll qui, hop, se ressaisit un tout petit peu aujourd'hui, mais vous voyez qu'il reste sous les plus hauts de la veille, et donc qui se rapproche doucement mais sûrement de notre objectif à 1,1170. Est-ce qu'il faut que je le remette? Oui, c'est peut-être mieux. Voilà, 1,1170, hop, ici. On va le mettre en vert, comme ça, voilà. 1,1170, donc notre objectif, je ne reviens pas sur le calcul des objectifs, je l'ai fait hier. Vous voyez qu'on est maintenant très proche, on est en zone de survente, donc attention maintenant à l'approche de cette zone. Peut-être que des acheteurs vont commencer à se manifester, et donc mettre un stop suiveur
sur l'horizon de temps, 1 heure n'est pas, ne serait pas idiot. Peut-être abaisser son stop sur les derniers sommets. Par exemple, ici, un 12,90, voire si vous voulez, si vous avez peur de louper la dernière partie du train baissier, un 13,25. Mais voilà, l'objectif reste le même. En tout cas, au moins abaisser le stop sur ce niveau des 1,1375. Mais ça, je vous l'avais déjà dit hier. Peut-être qu'on peut donc le mettre maintenant à 1,1325. En tout cas, c'est ce que je ferai. Donc, première chose, donc j'abaisserai le stop sur les positions, les avis que je vous ai donnés sur 1,1330, avec toujours un profit taking à 1,60. Alors, quand je dis 1,1170, ce n'est pas 1,1170 pile, puisque tout le monde a ce niveau, certainement, ou en tout cas beaucoup de personnes. Donc, il va falloir bien surveiller le marché à l'approche et à la moindre figure d'hésitation, de retournement, solder les positions. Et même si vous laissez un taking profit, parce que vous n'avez pas le temps de le regarder, mettez-le un peu au-dessus quand même de 1,1170, c'est pas une science exacte non plus. La deuxième position que nous avions, que j'avais donnée, c'était sur l'euro suisse depuis la cassure des 1,05 avec un objectif à 1,0235. On est un petit peu dans un mode consolidation. Le stop était au-dessus de 1,05, c'est ce que je vous avais donné. Donc, je garde le stock au-dessus de 1,05 et je continue à viser 1,0235. Troisième idée proposée, le dollar, le loonie, le dollar canadien. Et là, vous allez voir que on est maintenant extrêmement proche du taking profit. Le stop a bien sûr pas été touché puisqu'on était en dessous de 1,2490. Et donc maintenant on est sur 1,2745. L'objectif était 1,2775. Là encore, on ne peut pas mettre un take profit à pile poil sur le niveau donné. Hein. Vous le mettez un petit peu en dessous. Écoutez. Les RSI étant sur achat maintenant, personnellement, je prendrai la moitié des bénéfices à 1,2740. Vous avez fait un très très large profit. Je vous rappelle qu'on est rentré ici à 1,2484. Ça fait 250 pips en très peu de temps finalement. C'est un petit peu comme l'euro AUD le mois dernier ou comme l'eurodoll un petit peu actuellement. Donc, taking profit sur soit la totalité si vous voulez empocher vos gains, soit encaisser vos gains, soit au moins sur la moitié et stop suiveur sur le reste. Le stop suiveur, je le mettrai sous la moyenne mobile ascendante à 34 périodes et c'est une exponentielle hein, à 34 périodes. Voilà. Donc, taking profit sur le dollar canadien, ce qui fait quand même une très très belle plus-value. Euro-dollar, euro-suisse, dollar CAD, on l'a vu. Parmi les autres choses que je voulais vous montrer, alors c'est la seule position pour l'instant que j'avais un avis positif où on a été stoppé, mais j'avais dit que j'étais prêt à re-rentrer sur cette paire de devises qui est le dollar yen si jamais on avait un rebond, puisqu'on a un pullback, alors qui n'est pas très académique, parce qu'on l'a un petit peu, et c'est ça qui a semé le doute, mais on a un rebond quand même. On peut considérer que c'est un pullback sur le drapeau, que le drapeau est toujours valable. Il faudrait juste ajuster un petit peu voilà, le haut du drapeau. Voilà, et là, vous voyez, on a un rebond sur un pullback et un rebond classique. Donc,
On peut rentrer en position longue, donc à 1,124,80. Le stop sous la moyenne mobile à 30 périodes ou sous le dernier creux à 113,58. Et on vise 118,60. Attention de ne pas engager une trop grosse position parce que, à vous de voir par rapport à votre capital, parce que quand même le stop loss est un petit peu loin. Même si le risk reward est tout à fait convenable, puisqu'on est, on est largement au-dessus de 1 sur 2. Mais je rentrerai peut-être en deux fois sur cette position, une partie maintenant. Et si on dépassait les plus hauts du mois, je rentrerai la seconde partie. On va faire un petit tour. Sur le kiwi vite fait pour voir qui continue à baisser, mais demain matin, réunion de la Banque centrale en Nouvelle-Zélande, donc pas de position avant une réunion de Banque centrale. On laisse de côté, on verra demain matin après la décision de la RBNZ. Le dollar australien, lui aussi, baisse normale hein, puisque c'est un effet dollar. Cette oblique sert toujours de support, mais c'est une oblique descendante, donc c'est un support descendant. Le premier support à 0,1220 est en train d'être testé. On pourrait donc revenir sur les plus bas ici à 0,6170. On reste de côté sur cette paire de devises. L'euro AUD, puisqu'on est sur l'Australie, on est sur une consolidation, mais toujours sur une pression baissière. On va attendre de voir si ça casse une de ces deux obliques pour éventuellement se positionner. Mais on est plutôt sur une latéralisation des cours actuellement, donc pas grand-chose à faire non plus. Le dollar suisse est revenu sur sa zone de résistance entre 0,9330 et 0,9368. Donc là encore, difficile de se positionner là-dessus. Voilà, on a fait le tour des principales devises. Je résume donc, toujours short euro-dollar, mais stop ABC. Taking profit sur le Loni et toujours short sur l'euro suisse, stop au-dessus de 1,05 une entrée, une demi-entrée de position sur le dollar yen. Voilà pour ce que je vais voir cet après-midi. Ravi de vous rencontrer cet après-midi au Palais Brongniart. Les autres, je vous souhaite un très très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas au stop loss. Bien entendu, et je vous dis à demain.